Je suis ravi aujourd'hui de vous accompagner dans cette nouvelle série de séances d'hypnose méditation qui vous aidera à ajuster l'énergie de chacun des 7 chakras principaux. Chaque chakra correspond à des sensations qui nous permettent de maintenir un certain équilibre dans notre vie. Pour l'exemple, dans cette séance, nous allons travailler sur le chakra Muladhara, le chakra racine, intimement lié aux sensations de sécurité, de stabilité et d'ancrage. Il est essentiel de commencer par ce premier chakra pour débloquer, libérer ou ajuster son énergie afin qu'elle puisse circuler librement dans tout le corps et ouvrir le chemin vers les chakras suivants. Afin de profiter au maximum des bénéfices de cette séance, je vous invite à vous installer confortablement dans votre position méditative préférée. Cela peut être en position assise sur une chaise ou en lotus sur un coussin de méditation. Si possible, le dos bien droit. Mais si cela est plus confortable pour vous, vous pouvez aussi vous coucher sur votre lit ou votre canapé. Le plus important est que vous soyez bien pour être pleinement disponible à cette expérience. Je vous invite également à vous équiper d'un casque audio ou d'une paire d'écouteurs. Cela rendra votre voyage encore plus intense et immersif. Je vous souhaite un très bon voyage au plus profond de vous-même. Bien, vous pouvez fermer les yeux et placer votre main droite sur votre ventre, votre main gauche juste au-dessus de la poitrine et focaliser votre attention sur les sensations de vos mains posées sur le corps. La texture de votre vêtement ou de votre peau. La chaleur. L'énergie qui circule. Le mouvement de votre ventre, ou peut-être le battement de votre cœur. Très bien. À présent, je vous invite à prendre quelques grandes et lentes inspirations ventrales. Pour que celle-ci soit bien réalisée, ajustez votre respiration jusqu'à bien ressentir à l'inspire la main droite qui s'éloigne avec le mouvement du ventre et la main gauche qui se rapproche légèrement du cœur. Et à l'expire, la main droite revient vers le corps et la gauche s'en éloigne légèrement. Tout en gardant les mains dans cette position, j'inspire, je ressens ma main droite qui s'éloigne, ma main gauche qui s'enfonce. J'expire, ma main droite se rapproche et la gauche s'éloigne. Continuez à ajuster votre respiration ventrale encore 2 ou 3 cycles. Présent, toujours les mains dans cette position. Vous reprenez votre respiration naturelle et focalisez à nouveau votre attention sur les sensations de votre corps. Le contact des mains posées sur le vêtement ou la peau.
la chaleur. L'énergie qui circule. Le mouvement de la respiration. Les battements du cœur. Cette sensation de détente qui s'installe. Sensation très agréable. Très bien. Dans un instant, toujours les mains dans cette position, nous allons reprendre quelques cycles de respiration ventrale. Nous allons inspirer par le nez 5 secondes et souffler par la bouche 8 secondes lentement, comme si nous soufflions dans une paille. On y va, vider tout votre air et inspire, 5, 4, 3, 2, 1. Expire, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, 5, 4, 3, 2, 1. Expire, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, 5, 4, 3, 2, 1. Expire, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, 5, 4, 3, 2, 1. Expire, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire. Expire, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on reprend notre respiration naturelle, et on plonge dans nos sensations. Le contact des mains posées. La chaleur, l'énergie qui circule, le mouvement de la respiration. Les battements du cœur. Le corps qui se détend de plus en plus. Cette sensation de bien-être qui s'installe. Et on laisse ça exister en nous. On laisse cette sensation agréable prendre plus de place encore et encore. Ce corps en vit. Il s'en passe des choses dans ce corps. Peut-être une sensation d'engourdissement ou tout simplement une chaleur agréable. On laisse les mains reprendre une position plus confortable.
Comment je me sens quand je me sens complètement détendu? Et on laisse ça exister en nous, dans l'accueil, dans l'amour, dans tout ce qui est bon pour nous, tout ce qui nous fait du bien. On flotte, on plane dans cette sensation de détente et j'ai le droit de me sentir encore plus relâché. J'ai le droit de me sentir si détendu que je deviens détente. J'écoute ce qui se passe en moi. Je goûte tout simplement. Je savoure l'instant présent. Mais alors que je laisse cette sensation de paix intérieure se propager dans tout le corps, je focalise mon attention sur le chakra racine, situé à la base de la colonne vertébrale. Et je peux l'imaginer peut-être comme une boule d'énergie qui brille de sa lueur rouge. Un rouge connecté à cette sensation de sécurité, de stabilité. Et pour me connecter plus encore à cette sensation, je peux juste me demander comment je me sens quand je me sens en toute sécurité. Et je laisse venir ce qui se présente. Peut-être un souvenir, un de ces moments où l'on s'est senti protégé, en sécurité. Peut-être ce moment dans les bras d'un parent ou d'un être aimé. Peut-être juste imaginer ce moment pour le ressentir et le ressentir pour le vivre au plus profond de soi. J'ai le droit de me sentir en toute sécurité et je laisse ça grandir en moi. À chaque inspire, cette sensation grandit davantage. La lumière rouge du chakra racine brille de plus en plus. Et je ressens cette sécurité en moi, au plus profond de moi. Elle est là, comme elle l'a toujours été et le sera toujours. Quelque part en moi, il y a peut-être cet enfant qui un jour a eu peur, cet enfant qui s'est peut-être senti abandonné ou rejeté. Alors, je deviens ce parent qui l'accueille,
et je décide d'en prendre soin à ma façon. Je lui offre tout ce dont il a besoin. Je le rassure. Je suis avec toi. Je suis là pour toi maintenant. Je te protège. Je le prends dans mes bras. Je lui offre tout mon amour. Et je l'emmène avec moi dans la lumière, dans cette sensation de paix profonde, en toute sécurité. Je respire et je sais qu'à tout moment, je peux et je pourrai me connecter à cette ressource, à cette lumière, et je me sens bien. Je visualise mon chakra sacré, je ressens son énergie et j'envoie sa lumière se propager dans les jambes, traverser les articulations, la plante de mes pieds, pour plonger dans les profondeurs de la terre. Mon chakra racine, tel un soleil rouge, envoie sa lumière traverser le haut de mon corps, le ventre, la poitrine, le cou, la tête. Traverse la barrière du crâne et continue de diffuser sa couleur vers l'infini du ciel, comme une colonne de lumière rouge qui me traverse, qui me rend stable, en équilibre entre terre et ciel. Je ressens cette énergie. Je ressens cette sensation traverser tout mon corps. Je respire. Je ressens cette sécurité, cet équilibre, cette stabilité au plus profond de moi. Je visualise cette lumière rouge, ce chakra racine qui brille de mille feux. Et je peux même ajuster son intensité, un peu comme s'il y avait un bouton qui me permet d'augmenter ou diminuer sa lumière. Je trouve le juste équilibre, celui qui me convient, celui dont j'ai besoin. «
comment je me sens quand je me sens connecté avec mon chakra racine? Comment je me sens quand je me sens en toute sécurité, stable, en juste équilibre entre terre et ciel? Et je laisse ça exister en moi. Je prends le temps de goûter ce cocktail de sensations. Est-ce plutôt sucré ou salé? Je prends le temps de respirer son essence. Quelle est cette odeur? Je prends le temps de ressentir sa chaleur. Est-ce plutôt chaud, froid ou tiède? Je prends conscience qu'à tout moment, je peux et je pourrai me connecter à cette ressource, à cette lumière. Et je me sens bien. Et c'est avec ces sensations bien ancrées en moi que je reviens doucement dans l'instant présent. Alors, avec le 5, je prends une grande inspiration. Et je souffle comme un grand soulagement. Avec le 4, je commence à ressentir les membres de mon corps qui se réveillent, l'énergie de vie qui circule en moi. Avec le 3, je commence à bouger mes doigts, mes mains, mes pieds et tout le reste de mon corps. Avec le 2, je peux m'étirer, bâiller. Je ressens de plus en plus cette vitalité, cette énergie en moi. Et avec le 1, j'ouvre les yeux et je reviens doucement ici et maintenant, bien connecté avec ces sensations de sécurité, de stabilité et d'ancrage. Bonjour, avez-vous fait bon voyage? Vous pouvez bien entendu refaire cette séance autant de fois que vous le souhaitez, selon vos besoins, vos envies, pour vous connecter davantage à vos ressources, pour prendre soin de votre enfant intérieur ou simplement pour passer un bon moment de détente. Je vous remercie de m'avoir accordé votre confiance et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux voyages.